Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée « Quand l'élève dépasse le maître ». Nous étions en train de coloniser, nous avions un héritier, nous avions eu un héritier, un héritier slash un monarque, un roi, voilà, un Trastamara, je suis pas trop fan quand même, mais bon. Je ne pense pas que l'Espagne aura une union personnelle sur nous, quoi. Enfin bref, on verra bien. Là, on va continuer bien évidemment à blober. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'en Europe, je ne touche plus à rien. On va continuer à faire ça, mais en Europe, voilà. Je vais laisser la France, je vais laisser tout ça. Peut-être même libérer Paris avant de partir. Déjà rajouter un siège au Parlement à Paris, ça serait toujours intéressant, je pense. Voilà. Oui. Ou laisser Paris comme ça et libérer nous-mêmes, quoi. Quand on jouera les 13 colonies libérées. Voilà pour ça. Donc là, on n'était pas en guerre, ça fait un peu bizarre. Mais on est en train de... Ouais, c'est toujours un peu ric-rac, là, niveau thune, à date. Mais c'est très bien aussi. Donc là, je pense qu'on va se mettre en... La ligne commerciale d'écrit qui a été dissoute, ok, soit. Donc là, le problème qui risque de se poser... Petit problème. Non, ils sont tous au sud. Je pense que... Oui, on va bien blober. Hein. Parce que si on leur déclare la guerre, là... Il y a tout ça qui vient, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien, ça. Bon, peut-être un peu de beaucoup de surexpansion pour les USA, mais... Bon, on va faire une autre revendication. Hop. Et ouais, ça. Et il y avait quoi d'autre on avait vu? Ici. Ouais. Le Kentucky. Ouais, bon, on va pousser jusqu'au Kentucky, quoi. Plus vite on développera les 13 colonies, notre colonie, plus vite on pourra jouer. Je me dis, alors je me fixe une deadline, mais bon, c'est sur le papier, hein, c'est pas gravé dans le marbre. À la fin de Lannister, donc c'est-à-dire à peu près en... En 1575, ouais, j'avais prévu vers le en 1600 à peu près, pour qu'on puisse jouer, quoi, parce que là, à part fider, on fait pas grand-chose, et voilà. Donc, reprenons où nous en étions. Oui, on va se mettre en position, donc je ne pense pas qu'on risque grand-chose à faire ça, et dire de faire ça. Voilà, tu feras des allers-retours, c'est pas grave, amuse-toi bien. Voilà, en attendant que ça arrive, c'est bien, ça nous permet un peu de nous stabiliser, notre manpower est à fond. Et même, il est tellement à fond que je me pose la question de... Ouais, voilà. Ouais, mais après, on n'a pas encore l'argent. Non, 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 on va attendre, parce que là, on est en train de dépenser combien pour ça? 19, oui, quand même. Ça fait un certain coup, quoi. Ah, notre conseiller est mort, c'est bien ballot. Nous pourrons recruter chez les... C'est quoi? C'est agitation dans le pays, mais à niveau 3. Ouais, un peu cher, le monsieur, quand même. Non, on va en prendre un... prestige ou puissance des missionnaires. Non, prestige. Voilà. Les colonies de la Plata sont espagnoles, ok. C'est le pape qui le dit, donc si c'est le pape qui le dit, c'est que c'est vrai. Bon, après, ceci dit, on a quand même une bonne armée ici, hein. Ah, 100 de population, c'est parfaitement bien. Bon, ça avancera petit à petit. Hein. Et ici, on est en train de faire une culture gascogne. Ah, on perd des troupes à voir. Oui, c'est les troupes qui sont... Qui vont arriver. Bah, qui sont arrivées, c'est parfait. On n'aura pas attendu longtemps. Hop, on va se mettre en position. Des sauvages, oulala, oui. Ouh, merde, je l'avais pas vu. Donc on va se dépêcher de faire ça. Bon. Tant pis, on a perdu un peu de co... Ouais. Bon. Tant pis. Est-ce que, eux, je pourrais dire... Fais ça. Ah non, tu veux pas. Bon. Écoute, tu vas rester ici. On va dire à la croisée des chemins. Et quand il y aura des rebelles, on se mettra dessus, quoi.
Et là, on va peut-être déclarer la guerre, du coup. Avec... Alors, est-ce qu'on est full niveau ça? Ouais. Est-ce qu'on pourrait mettre nos trois? Ouais, ça serait... Bon, il serait pas extra, quand même, hein. Toi, tu te balades toujours en train de chercher tes cités d'or, c'est ça? Ouais, tu vas là-bas. Ok. Muse-toi. Bon, ici, je pense pas qu'on ait besoin, donc on va plutôt le faire comme ça et comme ça. Ça me paraît pas mal. Hop, on peut passer tech. Ouais, on va attendre. Ouais, on a perdu des points, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais bon, on en regagne beaucoup quand même. On va peut-être insulter nos rivaux, ça faisait longtemps qu'on l'a pas fait. Nos rivaux qui sont... Hop. Les Danois, eh ben je vais t'insulter, envoyer des insultes, hop. Ensuite, merde. La France, ok, vendu. Ah, mollo, non, on va faire ça. Talent étranger. Ouais, 5 de professionnalisme, c'est pas mal, mais non, bon. La France va nous aimer pendant un temps. Trêve, Miami a expiré, soit. Productivité moins chère, ouais. Ou alors, non, on va gagner des points de mine. Et là, on va déclarer la guerre. T'as pété ton avion. Les Lupins, c'est eux? Ah mince. Bon, c'est pas grave, c'est... C'est pas grave. Et là maintenant normalement on pourrait faire un... faire des revendications. Ouais voilà, grâce à ça. Donc on n'a plus besoin d'être limitrophe grâce à notre doctrine qui est... Pardon, voilà. Qui est ici. Donc ouais. C'est pas bien grave. Donc on peut déclarer la guerre genre tout de suite. On a quoi comme un compo là? On n'est pas trop mal, ouais. Alors déclarer la guerre pour... Tu revendiques quoi? Bon, ouais, bah, on va prendre ça pour toi, ouais. Allez. Tu le revendiques. Autant que ça soit utile. Voilà, on va faire ça et ça. Ici, on va aller là, tant qu'à faire. Ok, on va peut-être baisser un peu la vitesse. Voilà, on peut passer de tech, on va le faire. Hop, plus de prod, c'est pas toujours appréciable. Bon, on a l'objectif de guerre, on va aller là. T'as deux de siège toi, oui, donc c'est plus qu'utile de t'envoyer là toi. Voilà. Et toi tu peux aller là à la rigueur. On va bien sûr donner ça à notre colonie. Hop. Ah. Donc quoi? Ensuite, on pourrait faire une revendication ici. Sauf si... Oh, ils en ont déjà une, c'est bien. T'as allié à qui, toi? À tout ça? Ah, oh, on va faire une razzia, là. Mais tu peux pas encore... Il faudrait que ça augmente. Mais pourquoi c'est que de 150 et pas de 175? Ça a déjà baissé? On a perdu notre bonus? Hop. Non, pas ce que je vois. Bon, pas grave. Parce qu'il va falloir que ça se termine. C'est le problème. Bah, le problème. Moindre mesure, hein. Voilà, parfait. On prend ça. Du coup, on est en guerre contre eux. Une fois que la capitale sera tombée, ça va être très rapide. Croissance coloniale générale, oui! Très 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 bien. Mais c'est bizarre, colonisateur rapide. Ouais. Alors. Ouais, bien sûr qu'on va augmenter ça très rapidement. Pour avoir un colon supplémentaire. Alors 50 en inflation. Ouais, 50 points.
Alors, on a perdu notre militaire, c'est bien dommage. Bon, on va en reprendre un, tant pis. Hop là. Pas de problème. Ah! Bon, parfait. Alors, à la rigueur, ce qu'on peut faire là. Ah, remarque. Vas-y. On va faire ça. Vas-y, viser en deux. Ouais, tu vas là, toi, ok. Toi, tu vas aller là. Toi, à la rigueur. Tu te regroupes. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là. On va bien sûr retourner ça à notre 13 colonies. Voilà. Là, on peut pas envoyer de colons encore, hein, ouais. Non. Alors, je pense pas avoir eu le message, ça m'énerve un peu à chaque fois. Bon, parfait, là, ça va tomber. Voilà, parfait. Hop. Cadeau. On va aller là, bien sûr. On va rester alerte dans cette zone. À la rigueur, toi, si tu veux prendre le commandant qui a deux de siège, ce ne sera pas un mal. Bon, on peut leur donner le Kentucky aussi, hein, tant qu'à faire. Ok. Bon, ça donne quoi ici? Bon, là, ça va bientôt, c'est bien. Là, ça avance bien, ça avance bien. C'est l'Albanie qui va prendre du temps, ouais. Ok. Toi, tu peux revenir à rigueur sur... dans l'an... Ah! Ouf! Joli. Plutôt joli. Ouais, ça nous fait une belle province, hein. Bah écoutez, j'ai envie de dire oui quand même pour le lier. On peut pas? Ah si, voilà. Voilà, on va envoyer un colonisateur, mais peut-être... Ah, j'ai pas envie de payer, mais bon... C'est quoi? C'est une bonne province? Non, c'est pas une bonne province, ça sert à rien de... Voilà. Donc je disais... Ah, le Portugal a déclaré la guerre au Maroc. Ok. Alors toi, tu vas retourner dans l'ancien monde. Alors, le Portugal a déclaré la guerre au Maroc. Et du coup, le Portugal est en guerre contre... Ça... Du coup, parce que Ottoman n'est plus allié... Non, il est en guerre et il est allié à... Oh là là, le pavé ottoman. Bon, après, c'est vrai que... Moscovie pourrait peut-être percer, hein. Est-ce qu'on peut construire des choses intéressantes? Point 3, ouais, bof. Peut-être du commerce? Ouais, c'est pas énorme. La prod? Ouais, ici, c'est pas trop mal encore. Ou ici, ouais. Nouvelle Angoulême. Ah oui. Alors pause. Hop. Voilà, et comme ça notre colon va bientôt arriver, c'est bien. Ça, celle-ci, elle va bientôt être terminée, je pense. Comment hostile? Ah. Alors. Le roi va divorcer, le Portugal va plus nous aimer, Cassius Belli, qui... Pff, ouais. Ou plus 2 d'agitation. Non, non, on va divorcer à la rigueur. Puis on peut se remarier, je suppose. Ah oui. Ça fait longtemps. Alors, lac mortel. Ouais. Ah, notre conquistador est mort. J'ai tenté. Ensuite, peut-être améliorer les relations avec nos alliés. Ça faisait longtemps. Et le Portugal, on doit avoir beaucoup de confiance, voilà, encore un peu. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah, j'ai oublié, non, c'est pas grave. Hop. Fin des conflits religieux. De toute façon, on est quand même un bon risque d'avoir des héritiers là, ouais.
J'ai bien envie de le faire abdiquer, mais il est vraiment bien celui-ci. Et là, ça peut tomber. Voilà, c'est tombé. On a 100% de score de guerre. D'accord. Bah écoutez, on va donner ça aussi aux États-Unis. On va voir déjà s'ils vont pouvoir le légitimer. Parce que rien que ça peut valoir le coup. Alors reviens, toi, à la rigueur. Voilà, là. Et là, on est à perte. Ouais. Bon. Non, pas tout de suite. Donc ça, on va régler le problème. En fait, les fenêtres de sauvages qui se, bah, qui se révoltent, elles sont vraiment passives, quoi. Il n'y a pas de notification quelconque, il y a juste une fenêtre, mais bon. Voilà. Je trouve qu'elles devraient être un peu plus marquées. Ok, t'es revenu. Non, t'es pas encore revenu. Revenu, parfait. Alors oui, ok. Alors ça et ça tu peux pas, hein. Tu peux pas le légitimer. Bon, ça sera pour plus tard. Donc à la rigueur, Kentucky, demander la paix, ta thune. Bon, c'est toujours 10 de gagner, des réparations de guerre parce que pourra pas, des transferts de du tournement du commerce. Ouais, voilà, pour eux uniquement. Merci, au revoir. Ici on va aller là. Oh mon Dieu, ça prend un temps monstre. Ah oui, la Bohème est membre, fait partie du Saint-Empire, mais bon. Vu ce que ça donne, le Saint-Empire, c'est pas trop un problème. Ok, Rhode Island. Ouais, bon, c'est parfait, on était dessus. Allez, plus vite, s'il te plaît. Bon, bah, merci beaucoup. Puis si on peut récolter les miettes. Parce que pourquoi pas. Ça fait toujours un peu plus de prestige. Voilà, plus de prestige, toujours bon à prendre. Donc voilà, ça, ah, faut que tu reviennes, voilà, t'es revenu, parfait. Donc tu donnes tout ça aux 13 colonies, toute ta thune, tu nous la donnes. Merci, au revoir. Voilà, très bien. Ça, on s'étend vraiment proprement dans cette zone. On peut prendre une... Ouais, mais non, faut qu'on prenne ça. Par contre, ouais, on va se dépêcher d'aller là-dessus. Peut-être même faire un focus, hein. Ah, tu gagnes que 2, ça m'embête, hein. C'est-à-dire que là, tu gagnerais pas beaucoup. Non, on va peut-être pas faire de focus. Allez, on rentre à la maison. Et ici, on pourrait déclarer la guerre à tout ce beau monde, quoi. Mais peut-être attendre qu'Albany se termine pour que il puisse le légitimer. Ok, on peut faire des états, on s'en fout. On peut faire une doctrine. Ouais, on va attendre pour ça. Alors ça peut... Est-ce qu'on peut construire des choses, peut-être? Oh oui, ici, pas mal. Et en production. Ouais, non, plutôt une église, alors. Voilà. Ça nous doit ça. Bah, notre colonie sera bien développée, comme d'habitude. Ouais, t'as quand même 200 de def, c'est très bien. T'as pas d'aspiration à la liberté, encore. Comme quoi... Rhode Island autosuffisant. Parfait. Bon, on va se calmer pendant un temps pour ça. Ce que je vais faire également, parce qu'il n'y a pas spécialement de risque, c'est nos bateaux qui ne font plus rien là. Ils vont protéger le commerce. Bah, va dans la Manche alors. Okay. Voilà, ce sera toujours ça de gagner. Ils ont combien en... 1,5, ouais, c'est vraiment faible, hein, quand même. Bon, après, ils ont quand même une armée de 11K, ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Et ils ont pas mal de bateaux. Des lights essentiellement, mais ils ont des bateaux, donc c'est bien. On pourrait du coup déclarer la guerre à eux. Ah oui. Donc si on leur déclarait la guerre,
je pense pas que les États-Unis aient fait encore, mais ouais, on pourrait prendre quand même tout ce beau monde. Ouais, on va faire un réseau d'espionnage. Hop, hop. Ouais, on galère vraiment au niveau des... Mais bon, c'est à cause de ce roi-là. Peut-être on a pu le... Ben, si on l'a encore en 46. Oh, c'est bon, ça va disparaître bientôt. C'est très bien. Et oui, c'est vrai qu'on n'avait plus de conquistador. On va en recruter un nouveau. Voilà. Et continue ta belle mission. Ah, on peut prendre la tech. Ouais, clairement, on va prendre celle-ci. Hop. Son tech 12. Pareil que nous. Ouais, ils sont même en avance sur nous, les États-Unis. Donc, bah, quand je dis les États-Unis, c'est 13 colonies. Hein, c'est bon. Albanie devrait être terminée. Je vais regarder. Il gagne combien par mois à peu près? 939. Ah, évidemment. Ah! Ah! Meurs pas? C'est bon, il est pas mort. Moi, on gagne... j'ai pas regardé, on était à 31 ou 39. Ouais, on en gagne 13 à peu près par mois. C'est pas mal. C'est pas trop trop mal. Voilà, Massachusetts, colonie autosuffisante. Qui s'appelle Baie Blanche. Pourquoi pas. Donc là, on peut recoloniser ailleurs. Alors, soit là, ou soit là. Ce serait pas mal ici, hein. J'ai l'impression que c'est un carrefour commercial, non? Ouais. On pourrait faire là, ça nous permettrait d'avoir ça et ça, ouais, ça serait assez intéressant. Envoyer le colonisateur, ouais, c'est parti. Et l'excellent vice-roi, frais de douane plus 20, ouais, soit. C'est pas ce que je cherchais en priorité non plus, mais bon. Alors, plus d'autonomie, les bourgeois font la gueule, ou alors les clercs font la gueule. Parce que les clercs, on pourrait leur donner un petit billet pour qu'ils nous laissent tranquille. Ouais, on pourrait faire ça. Et voilà. Albanie est autosuffisant. Parfait. Donc on pourrait déclarer cette guerre ici. Il nous faut du coup un diplomate. Alors, détection des espions étrangers, non, constitution d'un réseau d'espionnage, ça me va bien. À la rigueur, grâce à ça, on pourra bien augmenter. Ah, on peut passer une voix au Parlement, donc, bah, un colonisateur, non? Ah! Légitimité de l'héritier plus 10, ouais, ça peut être pas mal. Gain de stab, on a 3 de stab, un marchand, on s'en fout. Modif d'entretien terrestre, moins 10%. On gagne combien? Ça nous coûte combien? L'armée, ça nous ferait 2. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Bon, on va faire ça pour être tranquille. Ouais, plus d'autonomie. Perte de puissance cléricale. Perte de mercantilisme. Vous gagnez 2 d'influence, si vous voulez. Gagnez encore 2 d'influence. Trouver un responsable, ignorer la corruption. Il va pour le soutien administratif, voilà. Ça, l'héritier sera mieux. Et on aura une meilleure légitimité annuelle. Ouais, bon, on va aller là. Bon, hélas, on n'est pas à côté. Mais on va se dépêcher d'y aller. Ça devrait être assez rapide. Hein. Bon, ils vont prendre et on va se taper peut-être de l'autonomie, ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas notre pays, de toute façon. La France... Ah non, c'est pas la France, pardon.
C'est le Brabant et la Provence. Ok. Ok, soit, parfait. Bon, l'Espagne est vraiment en train de bien blober dans cette région quand même. Bon, voilà, parfait. Avide de gloire, longévité des navires. On peut plus prétendre revendiquer ça. On peut plus revendiquer ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, là, on pourrait attaquer ça et prendre potentiellement tout ça. Et on aurait de quoi faire. C'est parfait. Donc on va bien sûr se mettre en position pour attaquer instantanément. Ici, on peut faire la revendication qui va bien. Donc, bah ici, hein, je pense. Hop, tu peux revenir. Et en attendant que tu reviennes comme ça. Ah. Plismouth. Alors, Marie. What? Alors, attendez, pause. La religion catholique devient la religion officielle en Grande-Bretagne. Non, non, j'ai la flemme, non. Ok, grâce à ça, on peut aller là. Bah, grâce à ça, on pourra aller là. Donc, ouais, par contre, si on s'écarte de trop, on risque d'avoir des... Bon, ils ont pas trop de férocité à voir ici. Non, on va pas taxer. Parce qu'en fait, j'ai pas spécialement envie d'avoir des colonies à droite à gauche là qui sont en train de se développer en plein milieu d'une guerre. Donc on va se calmer. Par contre, on peut aisément. Aisément prendre des provinces qui permettraient d'être prises. On pourrait soit combler les trous ici, c'est une solution. Soit avancer un peu plus. En termes de région coloniale, on en est où? Ouais, on pourrait aller jusque là, quoi. Après, on peut éviter de créer le Canada, justement. C'est le but. Celle-ci est pas mal, ouais. Tous nos colons sont... Ouais. Bah, vous savez quoi? On va combler les trous, on va faire de l'esthétisme. Voilà. Ok, et là on peut déclarer la guerre d'ores et déjà. J'aurais bien voulu passer de tech. Ah bah voilà, il fallait juste le dire. Hop, comme ça, ça nous permet d'avoir des francs-tireurs. Alors, on est plutôt en feu offensif. On est plutôt offensif, nous. Ouais, on est vraiment offensif. Donc on va pour des francs-tireurs. Rétro, ok, parfait. Et nous avons les premiers fusillés. Les fusils américains, ouais, ils sont pareils. Ok. Bon, on va bien sûr attendre là. On pourrait abandonner une colonie du coup. Genre celle-ci. On pourrait rappeler le colon. Voilà. Trêve avec les hurons et nan, ok. Et on pourrait se mettre là, typiquement. Voilà. On a de quoi faire encore en argent. Ah, les Cherokees se sont rebellés. J'ose espérer qu'ils vont faire le nécessaire. Non, c'est des débiles. Bon, bah, ils auront du séparatisme dans la région. Ce qui est absurde. Ah. Ah, ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais bah, du coup, les Français se disent, ah, why not? Alors, efficacité ou... Marchand actif et marchand actif. C'est quoi qui nous rapporte le plus de thunes? Ouais, mettons dans ici. Bon, là on est bon. On pourrait attaquer. Je sais pas pourquoi eux ils veulent pas se...
C'est pas grave. Là, ce qu'on peut faire, c'est d'ores et déjà les attaquer. Tout le monde viendrait. Bon, écoutez, pas de soucis, on a de quoi faire. Donc, go. Et on peut prendre une aptitude. On pourrait prendre celle-ci, allez. Discipline des Mercos, même si on n'en a pas. Rapide le bougre. Voilà, parfait. Là, on les attaque directement. Là, on va attaquer directement ici. Très bien. Ils battent en retraite. On va les attraper ici. Wow. Et mollo, les gars. C'est le Tyrone et pas le Tyrol. D'accord. Ok. Donc, dépêche-toi d'y aller, toi. Oh, joli. Voilà, coucou. Ici maintenant. Bon, on va aller là. Hein. Pourquoi pas. On peut remonter par le nord. Combien de devs? 250, je commence à être pas mal. On a emporté un siège, alors bien évidemment. Cadeau. On va aller là. Le Portugal entre dans le cercle des grandes puissances. Eh ben. Mais oui, parce que t'as bouffé le Maroc. On va retourner ici. Est-ce qu'on peut reconstruire des choses intéressantes aux États-Unis? Point 9, ouais. Point 12, oui, clairement. Point 10, oui. Point 7, ok. Et là, t'as quoi? Et au niveau du commerce? Point 9, ta-ta-ta-ta-ta. Pas grand-chose d'intéressant, non. Et au niveau de l'armée, et ben voilà, j'ai cliqué là où il fallait pas. C'est où que je l'ai mis le... Ça devait être le marché, je vais l'annuler. Voilà. Et c'est plutôt la marine. Non, pas la marine, qu'est-ce que je dis? L'armée. Et l'armée... Où est-ce que ça serait plus rentable? Allez, nouvelle. Voilà. Parfait. Donc on est en guerre contre qui d'autre? Ah, contre eux aussi quoi. Bah, on pourrait dire à nos... Voilà, va là s'il te plaît. Voilà, c'est bien, t'as pris la décision. Ça on va te donner. Hop. Ici, ok. Et il restera quoi d'autre après à booter? Ah, il faudrait ça, mais on pourrait pas l'avoir, ça. Bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. Et ça, nous, on n'est pas en guerre. Ok. Ah, t'as pas perdu de temps, toi. Hein. Voilà, les gens veulent la paix, tu m'étonnes. On peut reconstruire quelque chose. Peut-être un peu de marine pour eux. Un chantier naval, non pardon, de marine, marine. Hop. Allez, hop là. Ah. Comme ça, ok, ok. Ah bah, ils n'ont pas eu le temps de se soulever, c'est bien, ils ont agi. Voilà, 78%, parfait. 13 colonies. Maintenant, si on fait la paix au global, hop, hop, ça passe. Voilà, tout ça, ça ne passerait pas tout de suite. Ça nous fera une petite coalition, mais bon, vous savez. Bon, déjà, on peut donner ça. Ah, ça, ça passerait pas. Ok. Ça, peut-être.
Ça ne passerait pas non plus. Bon, on va attendre. On va tellement attendre qu'on va même aller par là. Alors, vie de chien. Pardon, gagnons sans prestige. Ici, on va peut-être faire... Non, on va le garder, lui. On va garder le diplomate. Ah, les sauvages se sont soulevés. Parfait, on était sur place. Voilà. Gain de 3 de professionnalisme. Très bien. Bon, toi, peut-être ici, t'acceptes. Non, par contre, ça sert à rien que tu... Voilà. Ah, mignon. On va aller là-bas. Je pense pas qu'on va les avoir. Bon, pause. Surtout qu'il doit avoir un général... Ouais, 3 de manœuvre pour le choper, lui, ça va être encore marrant. Alors, on va attendre que tu... Oh, putain. Ah, c'est bon, on va t'attraper. 2 de production à Paris, bah c'est très bien. Voilà, parfait. T'es mort. Peut-être là, maintenant, les gens voudront la paix. Voilà, la paix au global, on se prend pas plus la tête que ça. Pas toute ta thune, c'est pas grave. Parfait. Donc on récupère ça, mais bah tout sauf ça, mais c'est très bien. On donne tout aux 13 colonies. On est d'accord, c'est une coalition, mais on s'en fout. Go. Voilà. Bon, ils vont avoir pas mal de petits problèmes, hein, nos amis américains, mais bon, c'est des grandes personnes. Hein. Ah, des rebelles. Alors, 10 de prestige ou détection des espions étrangers. On va faire ça. Bon, on n'est pas trop mal là quand même. On va juste commencer à percer un peu plus dans le sud du coup. Ah, des rebelles dans le New Hampshire. Peuple d'honneur. Ouais, sans deck. On fait des génocides, mais on est un peuple d'honneur. Eh bah, super. Hein. Bon, on a beaucoup de points là quand même. Peut-être faire ça. On gagne le plus 5 de discipline, pourquoi pas. Et on va refaire ça aussi. Hop là. Ça, on va booster pour avoir notre nouveau colon et après on pourra faire notre politique intéressante. Ici, ce qu'on pourrait recruter. On pourrait avoir un soutien administratif, mais pas spécialement utile. Bon. On faisait un... Bah on va faire un réseau d'espionnage ici, je vous propose. Constituer un réseau d'espionnage, voilà, c'est parfait. Alors ce que tu pourrais faire ici, toi, c'est... Non, on s'en fout, t'as rien à faire de particulier. Alors, on va gagner plus d'administratives. On a des techs à passer. On est en train de bien de se développer là quand même. Parce que c'est en termes de comment ça s'appelle, j'oublie le nom. En termes d'espace, on va voilà, en termes d'espace, on prend pas beaucoup de place, mais c'est plein de petites provinces en fait, les États-Unis. C'est ça qui est la côte est américaine versus versus ces grandes étendues où pas grand-chose quoi. Parce qu'elles sont très développées. Ah, j'ai des troupes qui sont Black Flag, je les avais totalement oubliés ceux-là. On va aller vers le sud avec eux. Toi, tu vas te mettre là. Alors, le pays... Ah, on n'a pas la presse imprimée. Bon. Et je suppose que ça apparaît plus vite... Où déjà ?
Déjà, le foyer, c'est la Romagne. Romagne? Waouh, bien joué. Et ici, nous, ça n'apparaîtrait. À Londres, est-ce que ça pourrait apparaître? Bon, ça apparaît lentement. C'est dû de. Parce qu'on est protestant, ouais. Et ça pourrait augmenter plus vite, ouais. Bon, bah, écoutez, on va faire l'accroissement de la modernisation. Parce que ici, ça apparaît gratuitement aussi ou pas? Ouais, ça apparaît partout, en fait. Donc, on le fait un peu plus fort à Londres, et puis c'est tout, quoi. C'est bien. Alors, les bourgeois, on n'a plus les choses du nouveau monde. Les comptoirs, on va les refaire. Hop. Et ouais, on est en train de faire un réseau d'espionnage au sud et on va peut-être commencer à, bah, à peupler le sud justement. Une fois qu'on aura un colon qui sera disponible. Alors toi, tu peux revenir, je pense, hein. On gagne combien par mois? 21. Bon, on peut en faire encore un petit. Bah, on va continuer comme ça, hein. Hop là. Envoyer un colonisateur. Ici, ça avance bien. Ouais, 40. C'est faible, hein, quand même. C'est très très faible. Une fois qu'on aura cette tech-là, on aura un autre colonisateur. Donc ça, c'est très bien. Alors, 10 de prestige ou... Alors, je crois qu'ici, c'était... C'était 2 œufs, ouais. C'est 2 œufs déjà. C'est où? Ouais, ben, une valeur fiscale ici, oui, clairement. Toujours appréciable. Ah, des séparatistes iroquois ont franchi la frontière. Et ils vont là, on va aller leur dire bonjour. Voilà. Engagé. Et là, on va commencer à manger tout ça. Bon, c'est pas des grosses provinces, mais ça nous permet quand même d'arriver jusqu'au sud de l'Amérique. Du nord, au niveau du golfe du Mexique. Et d'être quand c'est frontalier à l'Espagne. Bon, de toute façon, bon, en rapport de force, là, clairement, on colonise, hein, donc on n'a pas de troupes. Mais en termes de puissance, ouais, l'Espagne est beaucoup plus puissante. Bah, après, à voir. Bon, 19K pour les 13 colonies, c'est très très bien. C'est excellent même. Ah, notre philosophe est mort. Bon, on va reprendre ça, c'est pas grave. Et on peut prendre une tech, on a gagné un colonisateur. Youpi, hop. Et une augmentation de la probabilité de... Hop. De colonisation, donc c'est très bien. Donc dès que ça sera terminé, on va leur déclarer la guerre. Vous êtes allés à... Ouais, bon, on va payer plus cher pour les techs, c'est pas grave, j'ai pas envie de perdre un de stab non plus. Vous êtes allé à qui? Ouais, on pourrait rien faire tout de suite. Donc on va faire ça, et là on va se faire comme ça. Ah, le clergé a baissé, et les bourgeois... Non, on pourrait rien faire. On pourrait exiger une contribution, mais je vois pas l'intérêt. On pourrait chercher le soutien du clergé, ouais. Et un soutien administratif mais pas ultra utile. On pourrait avancer cette tech. Bon, non. Voilà, 22, donc. On avait une... Bah toi tu revendiques déjà ça, c'est très bien. Bah écoutez. Hein? Tu peux rentrer à la maison toi? Hop! Ouais, ça va mettre un certain temps à rentrer à la maison. Ici. Peut-être le commerce. Non. Peut-être l'armée. Ouais. Voilà. Bon, il faut attendre qu'il revienne, ce monsieur. Tu vas aller où là, toi, maintenant? Juste pour voir. Il va aller au Portugal qui est déjà amélioré à 100%, donc on s'en fout. Voilà, comme ça nous fait un nouveau diplomate de disponible. Bah écoute, oui, on fait venir tout ce monde-là. Ouais, go.
Hop, hop. Hop. Parce qu'il se trame dans le coin. Hop, parfait. On t'attrape. Voilà, déjà t'as plus d'armée. Merci d'être venu. On gagne de l'argent ou de compétence 1. Ouais, non, je préfère gagner de l'argent là pour le coup. Et on va voir si on peut pas construire une petite manufacture. Ouais, un point 20, c'est pas... On va attendre de voir ce que ça donne quand ça sera terminé d'être construit. Les autres. Hop, hop, parfait. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas donner ça aux 13 colonies. On gagne toujours de l'argent. Ouais, on gagne toujours de l'argent. On pourrait même limite... rappeler le colon. Et dire au colon d'aller là. Voilà. Wow, il y a du peuple. J'espère juste que nos alliés vont faire le nécessaire. C'est vrai que je regarde plus spécialement là. Ouais, bon, en fait, qu'est-ce que t'as pas compris dans... Ah! D'accord, ok. Défends le territoire. Très bien, ok. Allez, le prochain, et ça sera bien. Peut-être augmenter, voir si on peut pas prendre quelqu'un, mais bon. Ah, production locale affaiblie, c'est dommage. Bon, je vois qu'ils ont vraiment besoin d'aide. On va prendre ta capitale. Bon, ceci dit, s'ils arrivent comme ça à Wattmill, ça devrait être bon. Ouais. S'ils réussissent à arriver déjà, ce sera un grand pas. Là, ça peut tomber. Non, c'est pas tombé. On va aller les aider. Parce que pourquoi pas. Voilà, et on peut revenir ici tranquille. Ah, on va peut-être retourner ici. Pourquoi on en a perdu en fait encore? Province limitrophe passe sous contrôle. Ok, d'accord. Bon, voilà, parfait. Bon, si t'y vas, moi, à la rigueur, je veux bien... On a emporté un siège, parfait. Donc ça, bien évidemment qu'on va le donner aux 13 colonies. Hop. Parfait, parfait. Et on pourrait même bouffer ça. Si ça se termine. Ouais, ça pourrait se terminer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller au Kentucky. Tennessee, on n'est pas en guerre. Et ça, on peut pas encore. Ok. On va essayer de t'attraper, toi. Tu ne seras pas assez rapide pour nous. Merde. Bon, bah tu te débrouilles avec, ok? Donc Kentucky, ici c'est bon, c'est libéré. Parfait. On pourrait même donner du coup le Kentucky à nos... à notre colonie. Bon, on perd un peu d'argent là, mais bon, c'est gérable. Long Bay, ce sont séparatistes iroquois, ok. Et Long Bay, ouais, évidemment, Sabé Belwed. Bon, on va essayer de choper les séparatistes quand même. Bon, là, ils vont le bouffer. Hein. Ça, c'est indéniable. Ils ont tout bouffé. On va rester ici. Alors, compagnie de Moscovie. D'accord. Ah, des gens se sont soulevés. Bon, on a réussi à gérer la chose.
Le but, c'est d'essayer de que ça se prenne rapidement. Ça devrait être rapide, hein. Ça produit du tabac, c'est très bien. Kentucky, parfait. Hop, 13 colonies. Et comme ça, on va pouvoir leur donner ça assez rapidement. Bon, il faut, ça va prendre du temps pour ça. Hein. On est en guerre contre qui d'autre contre eux, c'est ça? Eh ben, on va aller là-bas. Ou essayer de les choper. Alors, je suis vraiment surpris que tu puisses pas entrer. Mais bon. On fera avec. Parce que, bien évidemment, si on fait une simulation de paix... Ouais. Ouais, on peut rien faire, là. Ok. Défendre le territoire, écoutez. Moi, mon but, c'est vraiment que ça se termine le plus rapidement possible. Comme ça, on pourrait prendre le Kentucky au passage. Ah, il y a une coalition. Ouais, bon. Entre nous. Vous voulez vraiment tenter la coalition indienne contre les 13 colonies? C'est vraiment ce que vous souhaitez. Donc ce qu'on voulait voir, c'était potentiellement... Ouais, point 29 quand même. Alors, je sais pas où il est, ce point. Il est ici. On va la faire, cette manufacture. Bon, dès que ça sera bon. Dans un ou deux mois. Bah, je pense que c'est le mois prochain. Ah, 99, le mois encore prochain. Ouais, t'inquiète pas. Voilà, mois prochain, colonie autosuffisante, parfait. La paix au global, on veut ça. Ça passe, oui, une coalition, c'est pas grave. On va bien gérer, je pense. Voilà, on fait ça, on donne tout ça à notre vassal, bah à notre vassal, à notre colonie, et c'est bon. Hop là. Voilà, les 13 colonies sont un peu plus fatos. Bien évidemment. Bon, c'est bien, franchement, ils vont être très très bien là. Bonne grosse 13 colonies avant l'heure, c'est appréciable à voir. Alors je sais pas. Ok, tu connais Clef, connaît son âge d'or. T'as combien de def? 330, c'est pas mal. T'as un bon solde, mon salaud. T'as un très bon solde. Bon, tu vas te prendre cher avec la surexpansion, mais bon. T'as combien? T'as pris les économiques, du coup, ouais. Puissance commerciale intérieure. Bon, ça c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ensuite ici, bah, ce qu'on peut faire à la rigueur, on n'a pas de tech à passer, pas tout de suite en tout cas. Peut-être développer un tout petit peu le pays, mais vraiment un tout petit peu. Une fois là, c'est bien. T'as 13, t'as 19, t'as 5, t'as 3, t'as 10. D'accord, et là on en a pas mal de points. Est-ce que ça serait bien de Cork? D'accord, t'as 11, c'est juste histoire de les faire monter à 10 en fait. T'as 10, 10, 10. Et si toi tu fais de la faux, hein, ça serait bien de t'améliorer. Non, voilà, et du coup, bon, allez, ça me va bien. Ah, l'Empire est en guerre. Bah pas en guerre, mais ça y est. Les gens commencent à se positionner pour la guerre de religion dans le Saint-Empire romain germanique. Le Serge pour les intimes. Alors qui mène la lutte?
J'ai pas envie de cliquer, mais j'ai juste envie de voir. Ouais, catholique et la Ligue protestante, on a la Suisse. Ouais, il faudrait voir ce que les autres, où les autres vont aller, quoi. Parfait. Et voir également qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là. T'as de la tradition républicaine, t'as un peu de surexpansion, ouais. Bon, après. Ça passe, quoi. Très bien. Et là, bah du coup, on pourrait aller voir vers le Tennessee. Alors du coup, si on déclarait la guerre. On n'avait pas de casus belli, c'est sûr, mais bon. On pourrait déclarer la guerre. Louisville. Ouais, là on pourrait vraiment faire. Bah, vous savez quoi? On peut remonter par là aussi. Faire un réseau d'espionnage. Hop. Hop. Voilà, parfait. Il y aurait aussi ça à voir aussi. Se sont déclarés la guerre. C'est bizarre. T'es dans une coalition, mais on ne sait pas c'est qui mène cette coalition. Ah ouais, il y a du peuple, hein. Bon, c'est des pueblos pour la plupart, mais. Pointe verte, ok, parfait. Et là, est-ce qu'on pourrait le. Non, pas encore. Mais là, ça nous permettrait vraiment de grossir encore plus rapidement, quoi. Bah écoutez, ouais, c'est pas trop mal hein, ce qui se passe. On va combler les troupes petit à petit. On va bien sûr. Voilà. Colonie autosuffisante. En plus de ça. Donc on va pouvoir lancer une petite colonisation. Bah écoutez. Écoutez. Pour avancer vers Bâton Rouge et tout ça. Alors là on peut pas, je pense. Parce qu'on n'a pas de colonisateur envoyé. Oui, d'accord, ça tombe sous le sens, mais si je te rappelle, toi. Mais si on l'envoie, ça serait, à mon avis, pas les USA qui l'auraient. Donc on va aller à Mobile. Mobile ou l'un ou l'autre. Là, ça m'a l'air un peu plus calme. Voilà, envoyer un colonisateur. Voilà, comme ça. On se sécurise vraiment toute cette zone-là pour la suite. Après, pourquoi pas ne pas aller dans les Bahamas, après tout. Et là, hein, je vois que c'est libre. Ah, je t'avais loupé, toi. Aïe, aïe, aïe. Ils vont l'avoir avant. Et merde. Bon, bah, je te dégomme pour la peine. De beaucoup. Ouais, bon. Tant pis. Et là, on va pouvoir après faire. Ouais, bon, ça va prendre un certain temps, mais ça va être gérable. À moins si on demande à nos clercs un soutien administratif. Bon, de 50 points, c'est vraiment ultra faible. On va faire ça à la rigueur. Et voilà, et ça maintenant. Et voilà! Nous avons le motif de production. Bon, tout le monde est content. Mais on peut choisir notre première politique. Et clairement, ça va être ça. Voilà. Donc là, ça devrait vraiment 160. Bon, on remonte au niveau où on sent les bonus. Les probabilités de colonisation un peu plus supérieures. Je sais pas où. Ah, ils sont en train de faire ça, eux. Bon, soit. Bon, c'est pas mal cette affaire. Bon, ça va nous faire un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. C'était pour le bien de l'Amérique. Une bonne 13 colonies quand même. Hein. .6 d'accord, en prod ça donne quoi? .5 c'est pas ouf. En armée peut-être? Ouais, ici à la rigueur. Commerce peut-être? Ouais, mal. Et en impôt, on va prendre le premier qui vient. Voilà. Bon là tu gagnes moins d'argent. Bah, nous sommes plus dans notre âge d'or. Ce que ça va donner du coup. Prochain mois. Ah mais oui, oui. Commerce intérieur brut. Oui, bah oui. Bah. Rappelez. On t'emmène là. On va t'emmener là. Ou là peut-être. J'aurais bien voulu là, mais bon. Bon, bah on va continuer à. On va continuer ici.
Allez, envoyez le colonisateur. On a de quoi faire avec grâce à la doctrine, parce qu'on a eu quoi, c'est vrai. Ouais, productivité plus 20, puissance commerciale totale plus 20%, ouais, tu m'étonnes. Après, il faut juste qu'ils se dépêchent, eux aussi, de grossir. C'est quoi leurs dépenses? Lutte contre la corruption, ça n'aide pas. Ils font deux colonies à voir. Peut-être ici. Ouais, ici et là. Ouais, c'est bien, ils colonisent eux-mêmes. Bon, je le savais qu'ils colonisaient eux-mêmes, mais bon, c'est toujours appréciable de voir qu'ils le font bien, quoi. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus les gens.